Amis téléspectateurs, bonsoir. L'émission EcoDrive d'aujourd'hui s'articule autour du produit automobile. C'est en fait le retour vers le cœur de notre métier, puisqu'il s'agit de l'essai de deux véhicules, deux modèles complètement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, puisqu'il s'agit de la Fiat 500X, le crossover de la marque italienne. Ce modèle qui est animé par un moteur essence 1,4 litre développant une puissance de 140 chevaux et qui est associé à une transmission automatique de type Tiptronic de 6 rapports. Le second, c'est le pick-up de GMC Vigus qui vient d'être lancé dernièrement. Et ce modèle est animé par une mécanique diesel 2,5 litres développant une puissance de 130 chevaux associée à une transmission manuelle de 5 rapports. Mais en attendant la découverte de ces deux véhicules, je vous propose de faire un tour avec nous à l'événement automobile de ce week-end, puisque la marque poids lourd Daewoo a été relancée, effectue son retour sur notre marché à l'occasion de son lancement qui s'est déroulé ce week-end. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie et merci de votre fidélité. Les niches arrondies sont discrètement positionnées sur les côtés de l'entrée d'air. Le bouclier porte fièrement la signature 500 encadrée par deux lignes chromées. De profil, nous noterons la forme galbée en haut des portières dans la continuité du style arrondi de la partie avant. Le pick-up GMC Vigus, objet de cet essai dynamique, s'est révélé surprenant par le niveau de ses prestations globales. Aussi bien sur la route que sur terrain accidenté, il s'avère digne de confiance en étalant ses nombreux attributs. Il confirme, si besoin est, le bond qualitatif franchi par l'industrie automobile chinoise. D'un point de vue stylistique,